Bonjour, bonsoir la famille, compatriotes haïtiens, frères et sœurs, comment nous y est? Je tiens ce mercredi 23 octobre 2024, nous comptons rentrer la caillou sous taxe 509, tout haïtien connecté. Dans l'émission, mon éditorial avec Yannick, comme d'habitude, nous toujours là pour nous brasser l'idée, pour nous faire le point sur des situations extrêmement complexes qui brassent bille, société, politique, sécurité. Nous là pour nous brasser l'idée ensemble. Quelques parmi les points importants qui dominent l'actualité. Hein? Premier ministre Gary Conille, équipe primature, là, y a cementé ça qui est passé dans le verre, il pas passé dans l'enterrement. Jonèg politik pa bo isi te fè complot pour assassiner Jovenel Moïse pour te ka pran pouvoir. Et bien c'est sous fiel équipe sécurité Gary Conille a passé si yo ta vle éliminer si yo ta vle touye Gary Conille. Hier nous gen ministre justice qui publié yon note pour la presse qui t'a pral bay des détails sous comment nèg ka fè politik, mare kòd lombrik yo, mare sosis yo, ak akte nan sosyete sivil, ak gang, pou mete complot pou touye Gary Conille. Men matin, bagay la pral pran lòt dimensyon, bagay la pral pran yon lòt ampleur, bagay la pral chavire net, lè nan tombe sou yon pòs, yon jounalist fè, kote ak lè, li ba yon ensemble de formation, yon ensemble de détails sou complot sa ki sorti droit direct en dedans CPTA ki gen pouwe avec éliminer Gary Conille sous pouvoir. Nou pral ba ou détail puisque nou pote posi la, nou pote détail yo pou. Yon lòt bò gen gwo rebondissement nan dossier assassinat président Jovenel Moïse. Équipe qui sous pouvoir là, yo a continué dossier assassinat président Jovenel Moïse. Mais faut que nous dire ou bien tout, pendant dossier a fait chimel dans coup d'appel, eh bien tout j'ai braqué, tout douette plongé, tout j'ai fixé sous Martine Moïse dans moment là que nèg yo voulait faire tout gens yo connaît ministère public, ça nous relait commissaire gouvernement sous dossier a. Eh bien, pas gen route, pas bois, si bagay yorete Jean Yoyea, eh bien, Martine Moïse, li pral genye pour la juger devant un tribunal criminel pour la répondre de assassinat président Jovenel Moïse, suivant ça qu'a préparé là au niveau de la cour d'appel. Nous genye Claude Joseph, qui presque sorti clean dans le dossier là, mon président, et nous genye Léon Chaltou, bien entendu, dans le dossier qui lui-même bagay là. Pi compliqué pour lui, nous prenons gagner des détails. Yon convoi ambassade américaine victime en babal bandi. Nèg exam pété coup de balle sous convoi ambassade américaine, ambassade lan li réagi et c'est pas seulement sous question insécurité yon réagi, mais sous bataille politique qui gagne entre CPT ak la primature, yon prend position yon, nous prenons gagner pour nous ba ou détail. Faut nous dire tout non conseil sécurité qui était organisé et hier mardi 22 octobre dans Nations Unies, eh bien il y a un pile causé qui parlait Haïti, République Dominicaine et chaque monde présenté argument yo dans ça qui a passé dans pays d'Haïti. Mais ça qui a attiré attention nous, c'est intervention Maria Isabel Salvador qui c'est chef Binu. Mes amis moun yo, c'est di m'ap di nou. Madame Binu mette tout ni que l'te CPT, que l'te primature, que l'te force multinationale, que l'te États-Unis, que l'te Nations Unies dans l'ensemble nan dossier Haïti. Nous pote autant de détails pour vous, nous pote tout détail sa yo. Nous pral partager ensemble avec vous, déjà m'ap invité ou. Ou même qui fait tomber ce channel là, pas hésiter à abonner, activer tout cloche de notification comme ça. Ou après te connecter avec nous, ou pas rater aucun dans vidéo de formation. N'a pas gagné pour nous poster. N'a commencé émission avec une information extrêmement importante. Nous gagnons Leslie Voltaire. Leslie Voltaire qui c'est actuel coordonnateur CPTA.
Leslie Voltaire, li gen des démarches que li a entreprendre là, li gen des démarches que li initié et nan Nations Unies et gen yon pile question k'a posé sous décision Leslie Voltaire prend pour l'écrit Nations Unies nan même dossier pour transformer force multinationale là pour yo faire tourner en mission de maintien de la paix. Si prédécesseur li Edgar Leblanc te contenté pour le faire bel discours dans tribune Nations Unies et faire approche, faire demande et force multinationale là, et bien les et faire demande mission multinationale là, bien entendu, et bien Leslie Voltaire lui-même c'est une note officielle, son demande officielle que li paré là pour le signer, pour le voyer dans Nations Unies. Bien que la Russie avec la Chine et yote ba yon fin de non recevoir avec des marchés États-Unis pour yon pas même quitter question vin discuter dans Conseil de sécurité a, et bien suite avec demande officielle ça et avec augmentation insécurité a, augmentation violence criminelle, violence gang dans pays a, est-ce que Leslie Voltaire li sous bonne voie? Est-ce que Leslie Voltaire pral gagner gain cause dans Conseil de sécurité Nations Unies ensuite avec demande que la valasse fait oui ha, bien entendu en 2004 après coup d'état Jean-Bertrand Aristide là et Nations Unies voyer ministre pour venir stabiliser pays yon, entre guillemets et bien kounye a 20 ans après c'est la valasse qui sous pouvoir et c'est la valasse qui a demandé Nations Unies yon intervention militaire pour Haïti pour venir stabiliser situation qui l'aurait coûté. Qui l'aurait cru, c'est même la Valassa qui était vraiment hostile en face Jovenel Moïse, qui était hostile en face Ariel Henry, qui était ouais de très mauvais œil que gagne de mode force multinationale pour étrangers fouler sol papa nation, mais je ne je dis c'est yon qui ouais fragilité situation qui m'en les force. Donc Leslie Voltaire c'est dans des ça, c'est dans lignes alliées dans moment là. Mais ça qui est certain, c'est intervention Maria Isabelle Salvador, là, chef BINU dans tribune Nations Unies. Et franchement, il y a une pile question qu'a posé par rapport avec la position madame. Là. Et pour une fois, franchement, nous gagnons représentant BINU. Nous par contre, c'est parce que mandat bral fini, mais l'ité osé dit bagaille aux gens liés, l'ité osé faire la part des choses, non? Nations Unies dans le Conseil de sécurité. La représentante spéciale, Maria Isabel Salvador, déclare au Conseil de sécurité que la situation en Haïti ne s'est pas améliorée. Augmentation de 22% du nombre de déplacés, le processus politique confronté à des défis importants, transformant l'espoir en profonde préoccupation. Non, Post BINU fait là, il y a plusieurs points extrêmement importants pour nous souligner. Ce n'est pas un citoyen lambda qui a parlé là, ok? Ce n'est pas un journaliste qui a parlé. Ce n'est pas un membre de la société civile qui a parlé. Nous avons parlé de représentant spécial Nations Unies, secrétaire général Nations Unies en Haïti. Nous avons parlé de même Mounsayo qui a nous force multinationale. N'a parlé de même moun sa yo qui fait toute démarche, qui fait tout sa yo konnen pour yo mener nous dans deuxième transition avec Ariel Henry. C'est même moun sa yo qui fait démarche pour yo ba nous conseil de transition, c'est même yo même. Donc l'on attendait, l'on regardé, l'on appli. Intervention représentant spécial Nations Unies en Haïti, li vle di ça vle di. Gon constat d'échec. Gon constat côté que Nations Unies l'autre fois encore s'il échoue dans transition ça s'il échoue de point de vue sécurité avec force multinationale là est-ce que Nations Unies non même démarche que Leslie Voltaire a fait pour gon mission de maintien de la paix est-ce que Nations Unies qu'arrivé régulariser situation ou bien changer bagaille quelconque parce que là élément qui primordial là nous pral garder ensemble. On nous regarde là, ok? La représentante spéciale déclare au Conseil de sécurité que la situation en Haïti ne s'est pas améliorée. Ne s'est pas améliorée, bon négation. Ça veut dire pas grand-rien qui améliorer, pas grand-rien qui changer. Au lieu de bagaille qui changer, bagaille yo vin pi mal.
Si vous avez qui change, c'est dans la mauvaise ligne. Ok? C'est dans l'autre bois. C'est empiré. Si vous avez un changement, c'est empiré, bagaille l'empiré, c'est pas améliorer, l'améliorer. Là, déjà, avec négation, ça, tout ça qui pral suivre, yo a négatif. Si depuis nan prémisse on gon négation, tout ça qui pral vin après, c'est négation la pied, c'est négativité la pied. Ok? Pas grand rien qui améliore. La augmentation de 22% du nombre des déplacés. Et te un rapport Nations Unies, bah, kote que yo fait qu'on est, gagné plus que 700 000 compatriotes haïtiens qui réfugient dans propre pays yo. Tout n'est réfugié dans propre pays yo parce que nèga exam ap chasse yo, nèga exam ap attaque yo, nèga exam ap mete yo de yo, yo réfugié dans propre pays yo. C'est des réfugiés dans propre pays yo. Donc ça a déjà son point négatif. OK, processus politique confronté à des défis importants. Défis importants, c'est Jérôme, madame n'a pas dit c'est zinc gant dans ces pété à primature. C'est bataille pour pouvoir, oui. C'est querelle politique, oui, des querelles stériles, oui. C'est Jérôme, je pas dit, mais nous connaît véritablement qui sa réalité est. Transformant l'espoir en profonde préoccupation. Mais c'est ça qui parle tout, frère. Transformant l'espoir en préoccupation. Gemoun, là, on te dit, aux forces multinationales pral vini, on te gen espoir. Que plus ou moins situation pral régulariser, peut-être plus ou moins, bon bagay qui pral fait. Joune jodi, espoir ça, li transforme en préoccupation. Li transforme en inquiétude. Li transforme en caisse serrée. Donc, qui importance, qui nécessité qui gagne pour nous pral dim que nous pral renouveler, nous pral gagne pour nous renouveler mandat Maria Isabel Salvador, nous pral gagne pour nous renouveler mandat Binu. 1 an, 2 ans, 3 ans, mais qui nécessité encore là pour nous continuer avec eux? Son constat d'échec. Son constat d'échec avec force multinationale, son constat d'échec avec Binu, son constat d'échec avec conseil présidentiel, son constat d'échec avec premier ministre Garry Conille, parce que réalité en ce qui s'allie compatriotes, moi, je vais dire nous très clair, réalité en ce que Garry Conille, li vini, il pas de plan, CPT vini, yo pas de plan, Nations Unies vini, yo gagné pour mission, Binu vini, li gen pour mission, faire des recommandations pour régler, pour aider régulariser, pour aider changer situation et décision qu'a prendre dans pays en bagay yo vinn pi mal. Ça veut dire son échec, son aveu d'échec lié. Mais pendant toute situation ça a empiré par bon côté et dirigeant nous yo par bon côté responsable par bon côté mettre pays yo. Et bien sécurité yo et li rivé joine que l'té ambassade, li rivé joine que l'té responsable politique yo. Li rivé joine monsieur Damio parce que là vraiment nous face avec une situation côté que et nous pral garder ça qui rivé dans ambassade et ça qui rivé convoi ambassade américaine. N'a dit tête nous et question sécurité a vraiment là bagay la pour l'autre dimension. On nous garde ensemble avec moi et nous gagnons un poste là, nous pral partager. N'a fin garder poste et puis tout de suite après nous pral montrer quelques photos. Des bandits ont criblé de balles 2 véhicules blindés de l'ambassade américaine en Haïti sans faire de victimes, selon une note publiée hier mardi par l'ambassade américaine. Heureusement, tout notre personnel est sain et sauf, a indiqué la note. Donc, dans notre ça, ambassade américaine publiée, yo t'a pral bay des détails sur ça qui gen poué avec question sécurité. Avec attaque bandits fait sous convoi côté gagné 2 machines ambassade américaine, 2 machines ayo on pas caché dit nous machine qui blende, oui nous tendez blende pas blende bandi yo gon jan bandi yo gete série de zam gros calibre nan men yo franchement et ba la ba ke sauté j'en a regardé là nan image ayo et bien c'est machine ambassade américaine non et que bandi yo ouvri coup de balle sur machine blindée. N'a pas gardé là Jean bal yo pété, n'a pas gardé Jean bal yo percé et blindage. Moi m'a demandé tête moi,
est-ce que au niveau de services de renseignement, la police, la médaïti, au niveau de la primature du CSPN, yon gon idée de qui calibre zam qui nan men bandi yo? Yon gon idée de qui calibre zam, de qui zam, de qui munition de gak zam yon ap utilise? Parce que nan gade jan yon perforé, nan gade jan blindage, jan pété, mon cher, ne gak zam yon gen bagay nan men. La insécurité, moi même toujours aimé dire, gen moun peut-être qui ka mette nan tête yo nan zafè insécurité gen VIP, mais insécurité pa gen VIP. Ou te met allié bandi, ou te met zanm, ou te met femme, ou te met ti boubou, ti ménage bandi, pa gen VIP nan question nèg exam, nan question insécurité nan ou pays. Pa gen VIP. Se kon bagay ki rele dommage kolatero. Dommage kolatero sa, lè la pa atèri sou, lè la prive nan boul vigou. Pa gen question ou se zanmi ou kon tel groupe gang ou kon tel groupe bandi ou kon pale avon, non? Non pa gen bagay kon sa. Parce que ça ka rive, jou la police décide prend au sérieux question insécurité a. Non ti ou croisé, comme ou te ak bandi ou bien comme ou t'ap passe ou te di bandi ou a protéger pour victime. Nous doit entendre nous son bagay, pays a pa ka continuer à fonctionner dans insécurité ça. Pays a pas qu'à continuer à fonctionner dans situation insécurité, dans situation désespoir, dans situation d'inquiétude enragée comme ça. Faut bon bagay qui fait. Faut bon bagay qui fait, faut bon bagay qui dit dans insécurité a. Dans insécurité non pays pas gagne VIP. Pas gagne c'est VIP, pas gagne c'est premier ministre, pas gagne c'est ministre justice, pas gagne c'est XYZ. Et il est tellement vrai, depuis après assassinat président Jovenel Moïse, depuis après assassinat président Jovenel Moïse, oui, moi-même, je trace chez même bay nèg ici de passé. Hier, mais qui ça qui publié? Communiqué de presse, ça, il sorti droit direct dans le ministère de la Justice. Ministre Justice, ça, il publié communiqué ça pour le bayon ensemble de détails sous complot qui a manigancé, complot qui a mariné pour assassiner. Enfin, nous disons à l'agent lié. Et pas complot pour retirer Gary Conny du pouvoir, non? Complot pour assassiner président premier ministre Gary Conny pour prendre pouvoir. Donc communiquer ça bon bail qui attire attention là dedans. Nous pas prêter trop sur communiquer hein, mais nous pral font ti parler bien rapide. Communiquer ça primature publié li mette dehors. Nous pas un problème à communiquer ya. Non communiquer ça, yo fait connait gen les forces du mal en Haïti. Ah oui, faut que nous di ba yo bien oui. Gen les forces du mal, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique s'empresse d'informer le public en général et la presse en particulier que selon les informations dont ils disposent, des individus mal intentionnés agissant pour le compte de certains secteurs bien déterminés dans la vie nationale entendent tout entreprendre pour semer davantage de troubles et de panique dans le pays en s'attaquant notamment à la vie du chef du gouvernement Dr Gary Conny et certains membres de son cabinet ministériel. Avle dit gagne des atouts faisais dans vie nationale là, dans politique, dans société civile et pourquoi pas dans élite économique là qui a manigancé complot pour assassiner Gary Conny. Attenté à la vie du premier ministre, il veut dire ça, il veut dire chercher tout le PM. Note ça, primature mette dehors, non, mais ministère de justice mette dehors, il fait qu'on est tout. Service de renseignement, ministère là, li bay tout détail sou moun sa yo kap manigance complot, etc. Mais, goun bagay m'perdu. Si nous gagnons tout détail, service de renseignement nous dit nous, mais qui est-ce qui manigance complot, mais qui secteur? Mpa kwè se soti an communiqué pour la presse pour dire mais ça nous connaît cap privé etc. cap manigancé cap planifié. Mkwè se prend toute disposition, c'est diligenter autorité qui concerné yo pour faire des suivis, moun yo arrêté yo présenté yo bay pays, dit mais ça nous connaît. Parce que nan zafè la vie pa gen question banaliser la vie. C'est nan banaliser la vie que fè nèg yo té rivé touye Jovenel Moïse. Cependant, si nous regardons Jean ministère justice, Jean ministre justice ça calo circule. Jean li rapide pour sortir communiquer pour le service renseignement gagne ta information. Parce que la vie PM nan danger, la vie ministre en danger.
Mais dab gagne bandi yo k'a fait vidéo pour dire yo pral attaquer, yo pral massacrer, yo pral touyer moun nan la Tiboni, nan Akaye, nan Solino, tout côté dans pays yo. M'pa jamais entendre service de renseignement ministre activé pour le dire pral stopper la participer la faire ceci la faire cela. Alors que nous nos pays, tout moun besoin chef, tout moun gen folie chef. Mais oublier ti adage qui dit diriger c'est prévoir, diriger c'est anticiper. Diriger c'est prendre des mesures, diriger c'est prendre des engagements, diriger c'est assumer ses responsabilités, oublier parti ça. Nous gon l'état pompier, nous gon l'état côté que nèg sa yo qui gen pouvoir qu'après les têtes yo chef toute la cette journée, yo là pour yo comme si cabrit fin passé, li manger jardin yo, yo fin fermer barrière même barrière pas même ka fermer bien. Nèg yo comporté yo pompier même du feu yo pas ka éteindre bien. Nous gon paquet faux chef, nous gon paquet faux dirigeant, nous gon paquet faux net. On paquet faux moun. Mais journée jodi a OK gen menace sous la vie premier ministre. Nous pas jouer à ça, nous pas prendre blague, nous pas faire blague zouli. Nous pas faire blague zouli. Disposition primature prend c'est renforcer sécurité premier ministre. Disposition ministère justice prend c'est mettre en communiqué dehors. Jusqu'à présent, bon autant de côte qui est sur le métier action publique en mouvement. Ministère public, commissaire gouvernement, pas dit rien dans ce sens. Donc, nous ka comprendre quelque part, et yon plus valorisé publicité à faire mettre communiqué de presse que yon fait suivi judiciaire. Yo. Mais nous yon là, nous pas qu'à dire véritablement est-ce que Louis Gérald Gilles, est-ce que c'est Louis Gérald Gilles qui a fait complot pour tout yon PM? Nan? Bagadou non? Bagadou non le peuple. Mais nous allons tomber sous poste si là. Giovanni Michel, qui présente tête comme journaliste anti-corruption, et dans le dossier BNC, il était très actif sous lui. Et là, il y a un ensemble de détails. Complot pour tout, le premier ministre Gary Conil. Elle a mélangé. Semblait c'est même monde qui t'a. Qui t'a kokot ak Figaro ak PM nan non premier temps, jounen jodi an vle bre PM nan. An nou gade m ap li pou nou, n ap li ansanm, parce que koze yop. Le dossier de corruption des trois conseillers présidents plonge Haïti dans une insécurité encore plus cruelle qu'auparavant. Le conseiller Louis Gérald Gilles s'est allié à Youri Chevry et Nenel Kassi pour réactiver le groupe terroriste Fantôme 609. Dans le but de renverser le gouvernement de Gary Conil, qui l'accuse d'être à l'origine du rapport de l'ULCC suite au scandale de la BNC, l'impliquant lui-même, Smith Augustin et Emmanuel Bertillère et consorts. On va continuer. Le juge Benjamin Félix-May, désigné depuis 3 jours pour instruire le dit dossier, subit de fortes pressions afin de le classer sans même inviter les concernés. Un dossier qui met aussi la vie de Gary Conil en danger. Le juge Félix-May faiblira-t-il face aux pressions et n'invitera-t-il pas réellement les trois conseillers présidents et consorts? Dossier à suivre. Donc, Giovanni Michel, libère des détails comme quoi, li fait qu'on est. C'est Louis Gérald Gilles qui m'a ressuscité à Youri Chevry, à Nenel Kassi, qui était commandité, qui était planifié Fantôme 509, depuis que Fantôme 509 pour éviter l'homme innocent. Et dans communiqué de presse, ministère de justice, te mette de yon, yon dit, qui m'a ressuscité avec des groupes armés. Fantôme 509, éviter l'homme innocent. Là, yon dou, c'est Louis Gérald Gilles, bon, ben, elle a flou. Donc, là, on dit qu'il y a des groupes d'intérêt en dedans pays, semblerait-il. Jean Bagaylan est là, c'est CPTA même qui a assassiné le premier ministre pour prendre le pouvoir pour quoi. Mais en sérieux. En sérieux. Si CPTA est arrivé dans la logique faire complot pour assassiner le premier ministre Gary Conil, ça veut dire que Gary Conil sont tout puissants. Gary Conil, CPTA, pas qu'à révoquer Gary Conil, c'est ça. Mais c'est ça, oui, on laisse entendre là, non, et notre ça, non, information ça, Giovanni Michel Baye.
Parce que bon dou, si nous revenons aux limites pour nous dire n'a faire complot pour nous tatouer Gary Conille, eh bien Gary Conille est touchable. Gary Conille pas qu'à révoquer. Même Jean CPT à l'unanimité yo tout te voté te voté tête yo. Mba konn ki sa Gary Conille te promet nèg yo bien boss nèg yo te promet nèg yo pour Gary Conille. Tout moun vote Gary Conille. Kounya Gary Conille a ba nou tête, Gary Conille a ba nou fil à retordre, mais qui ça empêche à l'unanimité tout nous choisi pour nous révoquer Gary Conille. C'est complot pour nous ta monter pour nous tuer Gary Conille. Moi franchement ba la flou. Ba la flou. M toujours dit m pas banaliser, m pas minimiser menace sous la vie quiconque moun. Mais ba la flou. Trop chaîne gâte réveil. Ça veut dire Gary Conille ta tellement impuissant, il va pas révoquer, c'est tout pour ta tout. En tout cas. Mais bon bagay qui certain vle nous comprendre. Démarche qui fait pas bon côté ministère justice, pas bon côté Carlos Circule. Ministère justice franchement, non communiquer ça le prouve un grand bagay. Li prouve que c'est bagay ti clan, c'est bagay équipe qui a réglé. Si nous ka mette toute machine ça en mouvement pour nous dénoncer complot qu'a fait pour assassiner Gary Conille. Massacre a fait plus que 100 moun mouri pour sonder. Bandi attaque Solino, femme enceinte 8 mois mouri avec tout petit bébé dans votre île, prend balle dans la caille, alors que moun n'ont pas, femme n'ont pas même dans la guerre, n'ont pas dans la bataille avec bandi, n'ont pas même dans la front avec bandi, en dans la caille, il prend balle 8 mois enceinte. Yo attaque moun à caille, moun a mouri, moun a perdu la vie, etc. Moun sa yo ka perdu la vie yo pa konté yo. Quand service de renseignement primature, quand service renseignement CSPN, quand service renseignement ministère de justice, quand la police, quand l'armée, quand autorité concernée yo. Moi même c'est ça on veut nous comprendre. Nèg yo a réglé ça qui dans intérêt yo. Nèg yo préoccupé de ça qui dans intérêt yo, de ça qui qui fait qui menace intérêt yo. Mais la vie nous. La vie proche ou. Yo a pour avec question kidnapping nan. Bay ko ça pas concerner nèg yo. Bay ko ça pas intéresser nèg yo. Moi même tout temps réfléchir à un bagage, me dit moi mais comment ça se fait? Pour autorité l'état pays montrer aux complices de insécurité, montrer aux complices de gang, montrer aux complices de bandits. Alors que quiconque nèg qui t'a vinn là, qui t'a vinn dit, yo gen formule pour insécurité, a arrivé résoudre question insécurité ça, nèg ça li ka président via Haïti. N'importe moun qui t'a ka vinn là dit yo a résoudre problème insécurité, m'bo garanti peuple a tellement pote le sous tête. Haïtien tap même blie tête yo pour yo défend moun sa koream. Mais nèg yo ki intérêt yo joine nan insécurité a pour yo bal jaret. Ki intérêt yo joine nan insécurité ça au lieu yo vin avec une formule pour yo résoudre li, yo préféré a suivre international là, yo préféré a suivre nous pas doit utiliser l'armée, ambassade pas veut l'armée etc. et puis après régler affaire par non. Gros problème. Et c'est nous-mêmes qui conseille pour aller qui pour chercher problème là pour résoudre oui. Problème n'a pas résoudre pour quoi parce que nèg yo pas gain plan pour Haïti. Insécurité elle pas résoudre pour quoi parce que moun ki la yo pas gain aucune volonté manifeste, yo pas gain aucune volonté réelle pour résoudre li. Laissez pour yo faire zin pour yo faire bataille politique, yo fait. Récemment qui ça ne connait Gary Conille fait. Gary Conille là bail problème tout, hein? Gary Conille bail problème. Gary Conille li convoqué en réunion en urgence avec l'armée et la police. DG la police, ou commandement la police là, ou état-major l'armée là. Yo a discuté sur situation et sécurité. En matin, conseil présidentiel n'a pas été convoqué ni la police ni l'armée, ni au commandement la police ni au état-major l'armée. Yo vinn discuter sur qui ça de sécurité, de question bandi, bagaille comme ça. Nous connait qui problème qui réellement posé dans question sécurité nationale là c'est que trois moun vin au courant de décision qu'a prend. Premier obstacle c'est CPT ya. Nous gon CPT avec un président te paraît difficile parce que a gen fuite d'information qu'on y a vin gon CPT au exécutif de tête CPT a gen 9 moun là-dedans chaque grain moun ça yo issu d'un structure politique. Nèg politique yo maré sosyo nan konfyo lwa gang. Ou imagine ou pendant CPT a chita avec et ou commandement la police la mais a discuté de questions de sécurité stratégie etc. Et puis chaque membre CPT yo retourné nan base, yo al parler avec leader politique yo. De qui ça te al parler?
qui disposition qu'a prend ça qu'a régler puis information commence à fuiter bandi commence à avoir des informations trois moun dans CPTA trois moun dans exécutif là même conseil présidentiel neuf moun za plus gouvernement trois informations à circuler trois informations à partager donc on y a le vin gen un moun qui fuiter une information pas konn kote sorti ou pas konn qui groupe ou pas konn qui clan trois chaînes gâte réveil c'est exactement ça lié proverbe ça rien place trois chaînes gâte réveil dans question sécurité nationale là li pa ka résoudre aussi rapide gari konyon bo affaire fait pal CPT on bo affaire a fait pal journée jodi an si gen un moun k'ap bayon lòd non mais qui est la mi a prend lòd non mais qui est la police a prend lòd si gon stratégie d'intervention d'opération k'ap monter qui est qui a priorisé qui est qui a bay préséance. Donc tout ça fragilise la question de sécurité nationale là. Et journée jodi an c'est débat ça pour nous faire ces problèmes ça pour nous poser solution yo là. Problème yo la solution yo la solution yo c'est acteur sa yo solution yo c'est moun sa yo qui dans l'état et malheureusement et semblerait-il nous poko jam ka comprendre toujours faut nous prend distance nou avec yo faut nous prend disposition pour nous contrecarrer yo bagay la pa ka continuer comme ça franchement. En parlant de sécurité et en parlant également de complot pour assassiner dirigeant, assassiner chef dans le pays, et n'a pas rappelé nous, gagné plusieurs années de cela, 7 juillet 2021 précisément, mercenaires haïtiens, mercenaires politiques, mercenaires et étrangers, ils mettaient tête ensemble pour assassiner président Jovenel Moïse de la CAI. Ils trouvaient président. Et assassinat président Jovenel Moïse, l'État pral montré faiblesse la justice dans le pays l'autre fois. L'État pral montré passivité population l'autre fois. L'État pral montré complicité politique là, économique là, avec nèg examen de dans pays même jeune international là, pour mettre Haïti à genoux pour affaiblir l'État là au touyer président pays. Je ne jodi an, dossier assassinat président Jovenel Moïse li nan cour d'appel. Et nous songe, te gen un juge d'instruction te sous dossier, qui se juge Walter Wissé Voltaire, qui li même qui te gen yon responsabilité pour enquêter, et sous dossier, rele moun, tande moun, tande témoin. Et par la suite, li te gen yon, comme gros coquin chain responsabilité, ren ordonnance li, pour inculper moun li estime gen des charges contre yo et pour mettre hors des liens de l'inculpation l'autre moun qui pa ta gagné et des éléments contre yo même dans quatre dossiers si là. Et c'est dans sens ça t'a pral gagné ancienne première dame de Martine Moïse ordonnance santé voyé pour al juger devant un tribunal criminel parce que dans ordonnance yo di Martine Moïse complice dans assassinat président Jovenel Moïse. Yo t'a pral voyer Claude Joseph, yo t'a pral voyer Léon Chol, yo t'a pral voyer mercenaire yo, yo t'a pral voyer Dimitri Erard, yo t'a pral voyer Jean-Tel Joseph, yo t'a pral voyer un paquet moun yo di ki participer, ki gen complicité, yo t'a pral voyer éviter l'homme innocent et ki participer dans complot pour tuer Jovenel Moïse. Et en même temps tout gen moun yo t'a pral mettre hors des liens de l'inculpation tant kou Don Kato tant kou et Ariel Henry pour ne citer ça seulement. Journée jodi an dossier assassinat président Jovenel Moïse li devant la cour d'appel et pas oublier l'ordonnance santé rend même moun jodi an qui allait devant la cour d'appel avec ordonnance yo te dit c'est ordonnance c'est fabriqué. C'est ordonnance monté, c'est ordonnance prémédité, et yon pa gran yon a fè contre li même, etc. Mais yon te comprenne en jeu, yon te comprenne si yon pa fè appel de ordonnance, et le ou la façon yon ta pren code, parce que l'ordonnance sorti gen yon délai pour faire appel, depuis qu'il te délai à cour, ou pas interjeté appel de ordonnance automatiquement, et depuis tout délai a fin passé, yon pren code. Yon arrête ou. Eh bien, Martine Moïse, avocat, yo te décidé interjeté appel de ordonnance pour yo di que Martine pa gen rien pou louer avec assassinat président et pour yo bail pour yo présenter tribunal là, pour yo présenter la cour des moyens pour yo justifier ça yo dire.
Eh bien, dans ce sens, nous gagnons ministère public, ça nous relève commissaire gouvernement. Eh bien, commissaire gouvernement qui sous dossier assassinat président Jovenel Moïse, eh bien, lui présenter réquisitoire. Li. Et m'pas caché dit nous, réquisitoire qui présenté yo, yo ka fait plus dégâts sous Martine Moïse que sous Claude Joseph. On va demander me comment, on va demander pour qui raison. Eh bien, dans réquisitoire commissaire bien ministère public lui présenté devant cour d'appel. Li mande cour d'appel pour yo rejeter appel Martine Moïse fait de ordonnance là. Pour yo pas accepter, pour yo rejeter appel là. Et si la cour d'appel li prend en considération réquisitoire ministère public là, eh bien automatiquement cour d'appel t'a décidé rejeter et appel que Martine Moïse fait de ordonnance juge Walter Wissé Walter là, eh bien les ça yo a gagné pour yo maintenu ordonnance contre Martine Moïse. Martine Moïse l'a prêté inculpé dans dossier assassinat président Jovenel Moïse et le ça Martine Moïse yo pral gagné pour yo juger devant tribunal criminel. Kounya s'agissant de Léon Chol. Eh bien, dans dossier Léon Chol là, compatriote haïtien frère sœur moi, ministère public li mandé cour d'appel pour déclarer irrecevable appel que Léon Chol li fait de ordonnance juge. Pour qui raison li mandé pour déclarer irrecevable appel Léon Chol là? Li fait qu'on est appel, acte d'appel Léon Chol là, li gagne trop irrégularité, li gagne trop nullité là-dedans. Donc si vraiment cour d'appel li kebe réquisitoire, li pral statue sous réquisitoire et ministère public là, et bien le ça Léon Chol ordonnance ça maintenu contre lui-même et le ça Léon Chol l'a toujours inculpé dans dossier assassinat président Jovenel Moïse. Nous gagnons Claude Joseph. Dans dossier a vraiment moun qui sous route pour remporter la mayol dans dossier, c'est Claude Joseph. Claude Joseph, ministère public, li mandé cour d'appel pour infirmer ordonnance juge instruction te pran pour voir Claude Joseph à juger devant tribunal criminel parce que li estimé dans ordonnance juge a pas trivé déterminer culpabilité Claude Joseph dans dossier a. Li fait qu'on est ministère public fait qu'on est que li pas suffit pour dire yon crime profité avec yon moun pour que ben moun nan responsable sous ça sans que ou pas bail des informations pas bail des éléments à charge ou pas montrer lien de causalité qui existait véritablement ou bien niveau de complicité Claude Joseph dans dossier assassinat président Jovenel Moïse. Donc sous baza ministère public mandé pour yo infirmer ordonnance contre Claude Joseph et si la cour d'appel t'a tenu compte de réquisitoire ministère public et si yo t'arrivé infirmer ordonnance contre Claude Joseph et bien le ça Claude Joseph lui-même li pas inculpé encore dans dossier assassinat président Jovenel Moïse le ça li a hors des liens de l'inculpation et le ça Claude Joseph li a clean li a blanc plus blanc que la neige dans le dossier Jovenel Moïse. Donc là, vraiment, moun qui gagne et plus danger plané sous tête, c'est Martine Moïse, puisque nous connaissons, c'est madame président, et il y a un pile moun vraiment qui ouais ça mal dans l'ordonnance pour nous t'a dit Martine Moïse participer dans tout le propre Maril, qui c'est président Jovenel Moïse. Donc, en attendant, pour la cour statuer, pour nous connaître qui décision finale, cour d'appel pral prendre dans le dossier, si là, li vraiment important pour nous rester focus sur dossier ça parce que dossier Jovenel Moïse dans la coupe pays d'Haïti et dossier a vraiment li semblé gagner en pile surprise la dalle. Donc et point ça il était vraiment important pour nous te faire et nous pral gagner pour nous faire un coup de pied dans Wanamet parce que faut nous font un petit break sous bail politique yo. Nous gagner ingénieur Claude Louis, qui lui-même, qui te gagné une très belle initiative que te prend. Initiative ça te prend dans souci pour l'aider et rapatrier yo, pour l'aider compatriotes nous yo que dominicain
a déporté la Kaili parce que avec les formules 10 000 haïtiens par semaine, non, déjà là, il y a déjà sous 28 000 et compatriotes, chiffre dominicain, il y a déjà sous 28 000 haïtiens, ils ont déporté. Eh bien, rapatrier ça, yo, nous devons recevoir une dignité. Pendant que le ministre des Affaires étrangères a parlé de violation de la loi, a parlé de dignité et haïtiens dominicains n'ont pas respecté, eh bien, ingénieur Claude dit estimé, si on prend si la caillou, yo pas respecté dignité yo, Dominique pas ka respecté dignité yo. Et bien sous base ça, ingénieur Claude dit ouais nécessité pour le mettre bus à la disposition moun yo pour accompagner yo, pour yo recevoir yo, ba yo ti manger, prend soin yo, ba yo enveloppe pour yo faire la route même là elle pas piti, mais au moins image qui ba là gen moun k'ap penser pour yo, gen moun vraiment qui montre yo important. Donc, non sans ça, il y a des démarches qui ont été initiées, côté que l'ingénieur Claude a lancé appel avec Haïtien qui dans la diaspora pour aider, pour supporter, et petit coulier, ça y a kabali, ça y a kavoye pour lui, parce que c'est loué, loué, busio, c'est pas busti, etc. Donc, hier encore, ingénieur Claude li mette pied li a terre. Nous pral gagner une vidéo, on pral partager ensemble avec nous qui pral montrer et réalisation gros coquin chaîne et travail que ingénieur Claude lui-même li a fait et nan Wanamet sous frontière là. Donc on va regarder ensemble avec moi qui ça démarche. Bien, voilà, mesdames, messieurs, j'en ai suivi ensemble avec vous là. Nous présents, président la cour OIM, capable de faire une quantité immigrants qui là, qui a essayé d'enregistrer nos noms. Et bien, il y a une façon pour qu'ils soient capables d'aller dans le bisque ingénieur Claude de mettre à la disposition pour qu'ils soient capables de livrer la caillou, de faciliter, pour qu'ils soient livrer la caillou parce que ils sont vraiment et mettre à destination, et bien, côté qu'ils ont même pour aller par rapport. Et c'est pas tout qui pourrait aller même côté. Et bien nous là, dans l'espace là, pour être capable de faire nous vivre, et bien comment ça a les mêmes liés, les amis, entre nous. Bonjour, bonjour. Bonjour. Nous sommes sous notre diaspora haïtienne. Si nous avons fait tout ça, ce n'est pas notre propre point de la société. C'est diaspora haïtienne qui voyait comme eux pour mettre bis pour nous. C'est tous les médias en ligne qui fait message à passer, qui permet de l'emblème de la débit. C'est diaspora haïtienne qui voyait comme eux de l'Ivoire pas mort avec confiance au salut pour que chaque monde qui l'a, yo enveloppe. Pour chaque monde qui l'a boué, pour chaque monde qui l'a de l'eau, pour que nous mettions les gens dans la piste et pour être capable de conforter les gens pour les gens. Jodia, nous avons deux pistes qui disposent là. Nous avons une piste, alors, attendez s'il vous plaît, pas parler nous à peine. Depuis que vous parlez mal, à peine nous sommes sur l'hôpital. Nous avons une piste qui a pris direction plateau central. En dans votre plateau central ou bien caractéristique zone qui a pris dans le plateau central. Nous sommes capables de commencer depuis Milo ou bien Carrefour la mort. Li apprend Carrefour Grand Gilles. L'apprend Dodou, l'apprend Saint-Raphaël, l'apprend Baron, Randy, Pillon, La Victoire, l'apprend Libalet, l'apprend Ivantich, l'apprend Saint-Raphaël. L'apprend Mibalet et li apprend Port-au-Prince. La mette nous Carrefour la mort pour moun qui pralé l'olbo pour oppression dans le sud. La moun sa descend, la guillotine enveloppe. Les nourrissons mal faits, je demande pour tout le monde qui l'a baigné, je vais faire un savon. Après, je vais faire un maillot pour le mettre. C'est ça que je fais aujourd'hui. Et chaque année, il y a une enveloppe. Mais tout le monde, n'oubliez si son peuple nous est. Nous choisissons à humilier la tête. Nous avons un petit vagabond là. Pendant trois fois, je vais faire enveloppe. L'ennemi veut faire fou la mort. Li descend. Mathieu, c'est moi qui gagoule, c'est lui-même. Moi-même, j'ai l'air bleu. Soit me camper dans ça, m'a fait la m'a fait misère faire 5 jours prison. Ouais, quoi dans ça? Ouais, j'ai l'air bleu dans nos blagues. Nous sommes manqués, oui. Pour nous-mêmes, pour ma famille. Et puis nous filmons nos bobs là, nous filmons manger, nous filmons boire, et puis nous tournons là encore. Tu te prends l'autre.
nous qui vidéo monsieur, nous qui vidéo monsieur, et nous qui pouvons nous faire un nous avons arrêté monsieur. Nous gagnons policiers qui accompagnent nous aujourd'hui. Nous gagnons toutes instances concernées qui choisissent d'accompagner nous aujourd'hui. Nous gagnons OIM, nous gagnons ONM, nous gagnons immigration. Et puis nous gagnons maman. Attendez, l'État pays n'y a pas le diaspora. Applaudissez diaspora qui va nous dire. Qui est capable de faire 3 saisons ou 4 saisons par année. Nous qui sommes seuls qui fait ça. Il n'y a pas de jeunes garçons, pas de jeunes filles qui ont toute capacité de nous capables de travailler la terre. Est-ce que vous nous venez travailler dans le pays? S'il vous plaît. Et s'il vous plaît. S'il vous plaît. Principe de cela, nous n'avons pas interdit aucun monde filmé. Mais pendant nous n'avons bis là, nous interdit le provisoire. C'est pas tout le monde qui l'a. C'est respect, man. Ça va. Principe bis là. Nous pas qu'à interdit le monde filmé. Mais pendant nous bis là, nous interdit le provisoire. Interdit par l'empire, nous n'avons pas le chauffeur. Pas coup bis là. Pas coup bis là. La sortie ici, la fiscale malfaite. Nous prenons manger et que nous prenons le maillot. Nous prenons manger mal fait. Quel que soit le monde qui nous a mis qui accès pour le descendre, parce que le bis, c'est la direction de la Tibonie, n'est pas vrai? Exactement. Nous tous qui avons cette direction qui côté la Tibonie. La Tibonie. Bis, ça doit. La Tibonie. La mais c'est silence. Bis là a campé dans la dernière trajectoire devant le commissariat Bimno Gonaïve. Je vais commencer à payer enveloppe à partir de l'EBE. Ingénieur Claude a mis de précision. Ni pour l'amour, ni pour le capacité de passer pour sa conscience. Et depuis que je suis là, je vais tout faire police qui est venu. Si vous parlez, l'autre gars met tout. En Claude bruit dans tout. Vive territoire national là. Et voilà, ingénieur Claude fait me content. Et quoi ça mon principe? Si pas de principe, rien pas fonctionner. Si pas de principe, c'est des ordres. Ouais ça, ouais s'il pas de principe là-dedans. Il t'a fait un jour, il t'a fait deux jours, il t'a crasé.
Il t'a crasé. Mais l'on principe, ou que vous baillez mon principe, respecte le principe, n'a privé plus loin. Et vraiment, m'encourager, le féliciter lui. Et nous gagnons marathon à faire pour nous aider lui. Et franchement, non, nous sommes bonne voie. Son engagement que m'te prend pour m'te aider lui, m'pas regrette. Et parce que vraiment, moi, je suis bonne voie. Son nèg principe, Claudie. Son nèg principe. Bien, compatriotes haïtiens, frères et sœurs, n'a pas retourné dans dossier politique là, nous gagnons Rosemont Jean et qui parlait, nous pral attendre ensemble avec moi qui sa intervention Rosemont Jean hier. Non contexte côté que situation vraiment paraît est difficile pour pays pour peuple. Donc on pral faire nous garder attendre ensemble tout détail, toute explication Rosemont Jean lui-même la baille sous situation pays. Nous fait conférence là. D'abord, dans l'idée pour nous dénoncer et démasquer le gouvernement Gary Kony, CPTA, qui a utilisé des manœuvres. Et dans les manœuvres, le pays a perdu le monde, a perdu bien, et nous avons continué à aviler, nous sur la scène internationale. Là. Parce que les chaque matin, il y a des nouvelles sur Haïti. Je montre que les gens qui ont boulé Kaché, les gens qui ont boulé Kaï, les gens qui ont boulé Moun, les gens qui ont boulé Nandife, c'est Avili qui continue à Avili nous. Dans ce qui a passé sur l'Inoa, nous voulons le monde entier, diaspora, citoyens, la presse parlée, presse écrite, presse télévisée, nous voulons informer nous de faute comble ce qui a passé en dedans. Ça qu'a fait là, c'est une manœuvre pour faire passer le gouvernement d'Ariel dans l'idée pour permettre une résolution. États-Unis et Équateur prennent, il y a une bataille pour faire passer dans le Conseil de sécurité de l'ONU. Côté l'État, il s'est été en bas à Rally, l'État, il s'est été en bas OK, pour que il transforme la force multinationale qu'il a en une force d'occupation onusienne. Il n'a pas joué. Et vote dans le Conseil de sécurité. Il y a fait lobby. Il y a fait lobby. Et lobby a fait. Il a utilisé bras armés, gangs armés. Pour tout le monde, pour les cailles, pour une façon pour montrer que les conditions réunies, Haïti, nos situations, alarmantes. On voit tout le monde alarmé de ce qui a passé. Ou après, il y a pris tabac. Il y a des projets de tabac. Il y a des projets de graisser. Il y a des cailles. Puis créer des conditions pour permettre. Conseil de sécurité pour permettre la Russie avec la Chine qui te mette droit de veto sous résolution pour ne pas passer, c'est bataille ça qui là. Pour bataille a commencé, fait ça qui passe. Te gagné messieurs militaires qui étaient avec policiers dans l'opération Belé et Solino. Messieurs militaires, te gagné deux chanamé autour. Policiers te gagné chapeau. Mais messieurs militaires venu de côté. Non seulement tellement que tu prends espace dans monsieur Gangame, yo fait pied sol, avait dit yo descend chat, yo descend à terre et puis a marché sous nèg. Policier mandé monsieur militaire, ça a gagné yo chaud devant bande comme ça. Ça vient créer une discussion parce que yo estimé voilà que monsieur militaire même il a marché, il a fait pénétration, il a fait filature, il a rentré dans corridor, il a marché sous garçon, ça yo prend yo maintenant. Il n'y a pas avancé sur nous. Il a récupéré ensemble d'espace. Qui ça? Il y a fait, il y a fâché, il y a le poté plainte. Policier, il y a le poté plainte. État-major, l'armée et la police estimé que il n'y a pas de bain, il y a autorité pour faire tout le bagage. Il y a récupéré le chariot dans les militaires. Depuis là, il y a fait un problème de militaires. Depuis là, il y a fait un problème de dans les militaires. 13-14 novembre, octobre, 15-16-17, M. Arméo, Kounyala, reprend, il aurait déclenché l'opération, il reprend tout espace côté l'armée qui est en train de prendre. Ça veut dire ça. Ouais, tout le monde sur l'Union après, il n'y a pas de côté secours. C'est juste ça, on a pris hier, là, il y a eu une balle à trois lettres,
et puis qu'on y a là, vous propose vous les policiers, et puis qu'on y a policier a dit, côté tête ceci, côté tout c'est pas vrai. La police, de bonne foi, la police t'a rien même une opération, mais gouvernement qui l'a pas d'accord. Même là, Gary Conny a fait défiler devant. Gary Nil devant question, monsieur militaire, une police, est-ce que nous n'avons goûté avec? C'est diversion. C'est pas vrai, dit tout. Projet Negio, il faut que vous menez le pays à côté vous souhaitez, à côté vous planifiez, côté blanc mandé pour vous mener le pays. Côté blanc mandé pour mener le pays, c'est venir avec transformer force multinationale à une force d'occupation onisienne qui peut aller bailler plein sa immunité pour faire opération que vous avez mené en de pays. Ça, c'est lui. Deuxièmement, la police, le gouvernement connu, CPT, senti, CPT, etc. Ils ont utilisé, soi-disant, état d'urgence comme une âme contre militants, contre combattants, contre monde, contre citoyens, contre femmes et garçons qui disent non, ça qu'a fait là, il n'est pas correct. Il est clair pour nous. N'est-ce pas pour l'état d'urgence, il n'y a pas aucune conséquence sur gang armé. C'est pas vrai. Parce que tout ça, monsieur armé, décide de faire, d'ailleurs, nous avons dit dans la déclaration, porte-parole police, il a parlé de vite l'homme, il parle de monsieur vite l'homme. Il fait conférence pour nous petite chaîne. Dans le fauteuil, il prend chaîne. Chaîne cassée, ou par contre, ça qui passe, chaîne cassée. Parce que depuis que je suis passé dans le coup, si la chaîne n'a pas sonné, il l'a cassé. Il a monté, il prend chaîne. Ok? Il prend chaîne, mais il n'a pas pris nègre. Ok? Quand il y a là, c'est monsieur Vitello. Il dit, ça nous comprend? Non, monsieur Vitello. État d'urgence, non, pas permettre de les gangs armés encore. C'est monsieur Intel. Maintenant, comment nous comprenons? Nous inviter, nous notifier la police pour manifestation. Gary Conny, pas de état d'urgence. 3 octobre, pas de état d'urgence. Carlos Ekil, Guetan, fait sortir un dossier pour le dire, il était annoncé état d'urgence. Ça veut dire qui ça? État d'urgence, ça vient aux âmes de persécution pour empêcher nous-mêmes qui pas d'accord à ce qui passe dans le pays pour nous pas révolter, pour pas de manifestation. C'est pour ça qu'il n'y a pas pris état d'urgence, mais pas pris état d'urgence ni contre barbecue, ni contre l'homme sans jour, ni contre s'il a pli, ni contre gang qui a pris zone. C'est pas vrai. Son faux prétexte. Voilà. Nous attendons Rosemont Jean, qui lui-même lui a donné des détails sur ça qui a passé dans le pays, question gang, insécurité. Et vraiment, nous, si nous prenons un petit temps pour analyser la question état d'urgence, si on pose des questions, qui ça a réglé depuis l'état d'urgence, ça prend. N'a pas ces bandits qui marchent sous population au lieu de bagarre sérieux et qui fait pour changer condition la vie monde. Donc, c'est une situation vraiment difficile que pays a, que peuple haïtien connaît dans dernier moment ça yo, dans dernier jour ça yo. C'est pas ça nous souhaiter, mais nous ca changer situation. Si nous gain volonté, si nous voulons, nous ca changer situation et c'est nous pour prendre responsabilité pour nous faire. C'est pas bloc pour le faire, c'est pas Nations Unies, c'est pas OEA, c'est pas CARICOM, c'est pas CPT, c'est pas pour le faire. C'est nous pour prendre responsabilité. Et appel citoyens, nous toujours prendre habitude là c'est lui. Et appel conscience ça pour nous faire lui parce que pays a pas qu'à descendre plus bas. Gain mon nous te ka dit peut-être qui te ka senti yo pas concerné par rapport avec ça qui a passé en dedans pays hein. Moi même moi m'en fait nous c'est haïtien qu'en Haïti qui a subi oppression qui a subi zak criminel yo gen pile en pile compatriote haïtien qui dans diaspora moi qui plus préoccupé de ça qui a passé en dedans pays que moun qui vivent dans propre pays hein. Gen moun le fait que yo ka lever chaque matin dans petit périmètre yo rete a yo ka circuler là dans yo pa kè non de sa k'ap pase solino. Même je sa te, lè te kon gen bataille si te soleil gravine. Moun dal ma pat kon kè, yo pat kon yo di sa pa gade yo. Mais se rete yo rete yo insécurité a monde d'Elma. Se rete yo rete yo insécurité a Latibonit. Se rete yo rete yo insécurité a li pran Gonaïve Gomon. Se rete yo insécurité a li a valé terrain nan sud oui, insécurité a la valé terrain tout côté nan pays a nan nord et cetera, nan grand dans et cetera. Pour qui ça? Parce que si nous rete chita sous l'orier nous rete chita nap gade, nap tonne pour attendre parce que c'est nous pour prendre responsabilité nous. C'est nous pour dire nous pas qu'à continuer à vivre comme ça.
Pas tant c'est les machines de sécurité à frapper porte ou là il faut crier. M pa ta souhaité, là il faut victime, ça m pa ta souhaité. Mais Jean Bagay yo pralé là pas grand monde qui à l'abri. Ou ka à l'abri peut-être physiquement parce que ou deux yo pays yo, mais émotionnellement, l'autre de un proche un ami on nous te connaît. Les victimes l'a pas affecté, même mon nous pas connaît le fait que on garder danger, on garder réalité, il affecté ou les stressé ou dépressif. Donc journée jodi an, faut que nous comprenne que c'est nous pour changer de situation. Et pas ni PM ni AM ni CPT ni PTC marané, on va le faire pour nous, c'est nous pour faire. Compatriotes haïtiens frères chers, c'est là n'a mettez un bout dans l'émission pour jodi an. C'est un véritable plaisir pour nous porter information sur la radio pour vous. Restez connecté avec channel là ou sous tag 509 tout haïtien connecté dans l'émission Mon éditorial avec Yannick. Restez connecté, abonnez, partagez, like et sous pour conversation et surtout quittez un commentaire pour dire nous j'ai apprécié travail là. Rendez-vous à l'occasion dans une autre vidéo de formation. Merci tout le monde. À très bientôt. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remé pays, et bien on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial vous dit tout. Mon éditorial. Et puis sur mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si le dit pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, de chez Chanel Paul là pour qu'à bien informé avec Yannick. Mon éditorial. Wow.